deux à trouver, il faut de super appuis pour pouvoir s'en sortir. Michel Pavon. Mais les Bordelais ont très très bien démarré ce match, sont bien entrés. Torres Mestré avec Pavon, remet pour Torres Mestré, beau redoublement, le centre et la tête de Sylvain Wiltord, tête piquée, et les Girondins de Bordeaux qui ouvrent le score ici par Sylvain Wiltord au Leipzig Round de Zurich. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Ah, c'est parfait, on le disait, ils sont parfaitement entrés dans le match. Mais quand on a vu les Bordelais à Monaco lors de leur dernier match de championnat, c'est vrai qu'il y a une intelligence tactique et une préparation avec Elibo et son staff dans cette équipe. On voit qu'ils ont eux aussi lu parfaitement l'équipe adverse, les conditions climatiques. On voit Torres Mestré, Ilien Lasland a servi un petit peu d'appât au premier poteau. Et Sylvain Wiltord dépose ce ballon de la tête, c'est parfait, c'est superbement bien joué. Un but de plus pour Sylvain Wiltord, et puis à noter également le centre de Torres Mestré. Un petit peu plus la maîtrise du ballon quand tout début de partie, et ça va peut-être permettre aux Girondins de Bordeaux de bénéficier de quelques contres, comme ici avec Michel Pavon. Torres Mestré remet pour Pavon. Alerte Sylvain Wiltord qui a vu Johan Mikou, Lilian Lasland également qui remet pour Mikou en extension, 2-0 pour les Girondins. Voilà le contre attendu par les Girondins de Bordeaux, 2-0, le but du break. Rolf Ringer est abattu après 19 minutes de jeu. Bordeaux mène ici à Zurich 2-0. C'est le début d'une super performance, c'est encore un renversement de jeu de Sylvain Wiltord au départ. On voit que Sylvain Lasland qui remet après sur ce renversement de Sylvain Wiltord. Et Johan Mikou, un petit lob, c'est superbement bien joué, c'est une véritable performance. Oui, je peux vous dire, les sifflets, ouais. Les grondements dans le public. Tout est parfait dans cette action de jeu. 2-0 à même pas 20 minutes de jeu. Je crois que... Oh, c'est pas terminé ! 2-1 ! Les Grasshoppers qui, sur l'action qui suit le réengagement, reviennent à 2-1. Et voilà évidemment qui va tout changer pour l'équipe de Rolf Ringer. Parce que psychologiquement, les Grasshoppers reviennent complètement dans la partie. Elibo dodine de la tête, on voit que... Un petit moment de déconcentration, c'est souvent le cas après un but marqué. On revoit sur ce ralenti Kavelashvili qui venait juste de changer de chaussure avec des bons appuis. Ben, c'est un petit peu la réplique du but bordelais, c'est un lob juste au-dessus de Ulrich Ramé. Et alors, ce qu'on appelle un public versatile qui, dans la seconde précédente, huait ses joueurs, qui a repris espoir et qui à nouveau est prêt à les encourager, on voit. Vous disiez, Claude, que c'était un peu la réplique du but tout à l'heure de Johan Mik. Complètement, comme quoi. C'est l'éternelle histoire du foot, à savoir que psychologiquement, un match peut basculer d'une minute à l'autre. Tigva pour tirer ce corner, ça passe devant les buts de Ramé. C'est renvoyé, Ramé en deux temps, l'égalisation. Türkılmaz pied droit. L'égalisation de Türkılmaz pour les Grasshoppers Zurich. Tout est à refaire pour les Girondins de Bordeaux. Deux buts partout, on le pressentait, on le devinait. Eh bien, c'est fait. Ah, il y a du monde pourtant dans la surface de réparation. Pavon qui n'arrive pas à renvoyer. Türkılmaz qui bloque la première frappe de Kavelashvili et finalement avoir empêché la frappe, c'est le ballon reste entre ses intérieurs et pied droit. 2-2, 33 minutes de jeu. Eh ben, dites donc Eric. Oh. J'allais dire quel malheur pour les Girondins. Non, parce que 2-2 c'est mieux que 2. Cadagnas, long ballon loin devant, ça a failli être un bon ballon pour Türkılmaz face à Alicard qui va tenter le 1 contre 1, Alicard qui s'oppose, Türkılmaz toujours, qui va chercher à donner retrait, Ramé s'interpose et les Suisses qui vont marquer, 3-2, les Grasshoppers mènent dans ce match, c'est un but de Comizetti, 3-2 après une partie de billard devant le but d'Ulrich Ramé. C'est ce qu'on craignait. Türkılmaz qui a résisté dans un duel
et qui est allé jusqu'à la ligne de sortie de but, première feinte de frappe. Ils sont malchanceux là-dessus plusieurs fois, mais Comizetti qui a fait valoir toute sa qualité depuis le début du match aussi par beaucoup de mouvements. Pied gauche. Oh, Zuber Buller, on disait que les Suisses psychologiquement étaient devenus forts depuis le retour à 2 buts à 1 et a fortiori depuis l'égalisation. Alors maintenant qu'ils mènent 3 buts à 1 pour tenter d'égaliser, voilà un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. On a envie de pousser avec eux dans ce dernier quart d'heure. Johan Micou en appui avec Sylvain Wiltord. Torres Mestre était parti. Sylvain Wiltord qui va repiquer, tenter de frapper. L'égalisation bordelaise par Sylvain Wiltord. On disait qu'il nous avait gratifié quand même de beaucoup de gestes techniques, que ça viendrait de lui. Et bien une fois de plus, ah oui, ils peuvent lui cirer les pompes là-bas de l'autre côté du terrain. C'est une action, j'aurais tendance à dire, à la Rodriguez, le Messin, qui part côté gauche, rentre sur son intérieur, pied droit, et un ballon fouetté, brossé de l'intérieur sur le poteau. Superbe match, super Sylvain Wiltord. Et c'est pas fini. Il reste 16 ou 17 minutes. Alors que le changement, ça a été l'entrée de Patrick de Napoli à la place de Cavella Julie.